une marque de Gascogne et je vais vous lire une des chroniques qui constitue la conclusion en fait, de mon livre qui s'appelle « Sur le bout de la langue ». De retour d'un court séjour en France, moult sentiments contradictoires s'entrechoquent dans ma pauvre caboche. Assis derrière mon bureau, je songe à ces 5 dernières années passées en Pologne. Devant moi, le petit Cyrano dessiné par mon ami Père semble m'observer. Une plume dans une main, un livre ouvert dans l'autre, quelques bouteilles de vin près de ses bottes, la tête dans les étoiles, il semble composer les vers de mon épopée en Poméranie. Cyrano de Bergerac, ce personnage si français que j'ai eu l'audace ou l'inconscience d'implanter dans le pays de Mickiewicz. Souvent confondu par les Polonais avec D'Artagnan, il reste le symbole de mon aventure sur ces terres froides. Après tout, mousquetaire ou cadet de Gascogne, quelle différence? L'un et l'autre étaient gascons, courageux, intrépides, fidèles en amitié. Ils aimaient le combat, le panache, l'amour, la littérature et les plaisirs de la vie. La France vous manque-t-elle? Me demandent souvent mes amis polonais. Céline écrivait fort justement « Loin du français, je meurs ». Entendre parler la langue française, quelle jouissance! J'ai déjà eu l'occasion d'écrire que ma France, celle que j'aime et que j'admire, n'existe plus depuis bien longtemps. Mon fils est né mis à part, les membres de ma famille française n'ont manifestement plus besoin de moi. Mais la langue, tu Dieu, la langue! Quelle joie de pouvoir s'exprimer avec toute une palette de nuances, de choisir le mot juste, la formule qui fait mouche! 60 mois en Pologne ne m'ont pas permis de pleinement maîtriser la langue de mon pays d'adoption, et mes multiples gaffes sont désormais célèbres à ce point. Lorsque j'entends la langue polonaise, je ne peux pas m'empêcher de me remémorer cette phrase de Dumas dans La Reine Margot. Vous devez savoir cela, vous, monseigneur, qui avez été en Pologne. Les coquins n'en sont-ils pas encore à leurs 4 consonnes de suite, ce qui fait qu'ils ont l'air, en parlant, de broyer des petits cailloux et de jurer en les broyant. Pourtant, une autre question me vient en tête, obsédante, lancinante, harcelante même. La Pologne me manquerait-elle si je rentrais au pays? À cette question, un souvenir cocasse me vient aussitôt à l'esprit. Quelques semaines plus tôt, je me hâtais pour aller au concert de fin d'année de l'école de musique de mon cadet. Un vrai marathon que ces bacchanales de l'époque de Noël, entre celles de l'école polonaise, de la française, celle du club de basket ou celle à laquelle j'étais convié ce soir-là, les gants à relever ne manquent pas. Je sors de la voiture avec un drôle de paquet. Plutôt que de sacrifier à la sacro-sainte tradition d'offrir des fleurs au professeur de piano, j'ai décidé ce jour-là de faire un cadeau fleurant bon nos terroirs de France. Et c'est un vrai camembert au lait cru, joliment enveloppé d'un ruban rouge qui remplace le traditionnel bouquet. Je retrouve mon fils au vestiaire. Habillé de son costume de gala, chemise blanche et souliers vernis, il est fin prêt. Autour de moi, je reconnais de nombreux visages amicaux. Ayant placé mon rejeton près de ses camarades au premier rang, je cherche une chaise libre. Une élégante jeune femme me propose poliment de m'asseoir à côté d'elle. Ne pouvant rien refuser à une charmante polonaise, j'obtempère sans barguigner. Et je place sans y penser mon précieux cadeau sous mon siège. Le silence se fait lorsque le directeur annonce que ce sont les plus jeunes qui vont ouvrir la soirée. Ces petits drôles sont réellement touchants, et les quelques fausses notes n'altèrent en rien la bonne humeur et la tendresse de l'assistance. Absorbé par ce charmant spectacle, je ne remarque pas immédiatement les regards suspicieux que ma voisine me lance de temps à autre. La seconde génération d'écoliers se met maintenant en place et entame les traditionnels cantiques polonais. Bizarre, me dit Ginpeto, ces chants qui m'étaient autrefois étrangers font désormais partie de ma vie et je ne pourrais plus imaginer Noël sans eux. Je me surprends à en fredonner les paroles tout en réalisant que mon répertoire français est indigent dans ce domaine précis. La musique est la langue des émotions, disait Kant. Alors que les élèves des classes les plus élevées jouent merveilleusement, je remarque enfin les coups d'œil offusqués de la jolie jeune femme assise près de moi
et je repense à mon camembert. Comment lui faire comprendre que je ne suis pas directement responsable de ses remugles ? Grâce à Dieu, un adolescent au visage si étroit qu'il aurait pu embrasser une chèvre entre ses cornes me sauve la mise en accusant son copain à la mine rubiconde. « C'est toi qui pues comme ça ?» Je m'empresse de disculper son compagnon en désignant mon petit paquet aux personnes les plus proches. Soulagée, ma voisine éclate d'un rire cristallin qui perturbe un court moment le récital. La soirée touche à sa fin. Alors que des applaudissements nourris retentissent dans la salle, je me précipite vers le professeur de piano pour lui remettre mon odorant présent. Quelques sympathiques quolibets fussent autour de moi. On m'interpelle avec humour. Quel bouquet ! Ce sont des fleurs françaises, pour sûr. Les gamins sautent aux anges et se bouchent ostensiblement le nez devant moi en riant. Si la vie est trop courte pour passer inaperçue, je crois que j'ai relevé le défi, Mordius. Je souris malgré moi à ces doux souvenirs et j'en reviens à la question qui me hante. Tout bien pesé, oui, je crois bien que la Pologne me manquerait. Les paysages de Poméranie, à la fois sauvages et polissés, le rude littoral de la mer Baltique, les forêts profondes de pins et de bouleaux, si pleines de mystères, la ville de Gdansk, chargée d'histoire et de culture, les rires des mouettes de Sopot, son molo, où toute une ville s'échine à se rencontrer le dimanche. Je crois même que la rigueur de l'hiver me ferait défaut. Ces froids de loup qui vous cisaillent les oreilles et le nez, cette neige qui reflète le pâle soleil boréen et qui fait briller les collants des filles en mini-jupe, la mer emprisonnée dans sa gangue de glace, les stalactites translucides qui scintillent au bord des toits. Je regretterais aussi ces grosses moustaches croisées au coin des rues, identiques à celles que portaient les boyards du XVIe siècle. Je serais privé du tabac privé de Kachoubi. Je me languirais certainement bien vite de ces jolies polonaises qui charment mon regard et attisent mes sens. Je me souviendrais sans tarder qu'il est doux de se promener en toute sécurité dans la rue sans craindre de se faire agresser par des pandards. Pour être honnête, la cuisine, en revanche, ne me tiendrait aucune larme de nostalgie. Mais ce sont assurément les personnes qui me manqueraient le plus. Tous ces Polonais, amis, relations, clients ou membres de notre équipe. Sans oublier ma famille polonaise, qui a su me démontrer que les valeurs familiales existent bel et bien. Toute cette bienveillance vécue au quotidien qui a marqué mes dernières années. Quel paradoxe ! À Sopot, la Gascogne me manque cruellement, mais je serai bien triste après quelques mois passés hors de Poméranie. Me voici écartelé entre deux patries. Ne suis-je donc plus chez moi nulle part ? C'est ma bien-aimée qui a su trouver le mot juste. L'important est d'avoir ce que l'on aime auprès de soi. Tu as raison. Pourtant, tant que les Polonais ne parleront pas le français, je ne me sentirai jamais complètement chez moi ici. Écoute plutôt ce qu'écrivait Victor Hugo dans L'homme qui rit, me répond-elle malicieusement. La langue française, dès cette époque, commençait à être choisie par les peuples comme intermédiaire entre l'excès de consonnes du nord et l'excès de voyelles du midi. Tu vois qu'il y a encore de l'espoir, me dit-elle avec ce sourire enjôleur qui n'appartient qu'à elle. Maintenant, je nomine M. Maciej Romanski pour continuer la suite. Merci, à bientôt.